Déballage, comme toujours, hein. Si tu ressors ça, je reviens. Dans ces déballages, alors vous voyez, il y a trois pièces différentes. Hein, voilà, là le pavé et puis la façade hein, qui est là ce coup-ci démontable complètement. Il était démonté, alors du coup celui-là, mais juste à le monter comme ceci. Hein. Voilà. Et après, bah, comme toujours, hein, le trottoir. Voilà, qui doit être monté, plus le petit vitrier qu'on découvre. Alors voilà, une petite plexiglas dessus. Le petit visage, très très sympa aussi à voir. Bien détaillé tout ça, rien à dire dessus. Alors là, on va toujours le poser comme ceci. Hein. Voilà, il n'y a pas grand chose qui a changé à part ce petit montage de la façade. Alors la petite façade que vous voyez, plutôt sympa, bien détaillé au niveau des portes. Voilà, là le carreau vitrier, carreau vitre, miroir, vraiment bien représenté, très beau détail, j'ai rien à dire dessus. Ensuite le petit fourgon, voilà l'équipage, hein. Peinture métallisée grise. Là nous avons de la tempo avec l'adresse dessus. Après, les vitres en PVC plastique. La structure pour tenir les vitres est en plastique. Plutôt bien fait, très propre. J'ai rien à dire dessus. Voilà. Un peu de tempo dessus avec la plaque d'immatriculation. Les phares représentés en plastique. Ça, c'est plutôt sympa. C'est pas peint. Ensuite, le petit réservoir qu'on voit dessus. Voilà, rien à dire. Des vitres. En contour noir, le rétroviseur. Là, celui-là est un peu plus solide par rapport aux autres modèles qu'on connaît habituellement. Là, pareil au niveau des phares, ça tient bien. Là, ils l'ont fait en métal, je pense. Non, c'est tout du plastique, mais bien collé. Le pare-choc en plastique, calandre chromé là. Voilà. Pneu gomme, jante, argent. Voilà. J'ai rien d'air de plus dessus. Hein. Vraiment très très simple. Voilà. Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis.
Audio Jungle.